Bonjour, bonjour à tous, les amis, bonjour et bienvenue, c'est le PAG qu'on retrouve bien sûr. Évidemment, toujours là. Voilà, de retour dans les égouts, puisque les fantômes ont un problème avec les égouts. C'est un championnat qui est un peu moins noble que ouais. L'aventure principale. Hein. C'est un peu bizarre. Pourquoi pas. Ouais. Qu'est-ce qui leur fait peur dans les égouts? Je sais pas. C'est une question. Ouais. J'ai de nouveau rencontré la danseuse, elle expliquait qu'ils ressentent tous une présence qui les dérange et maintient leur lien au monde matériel. Ok. Une page d'une sorte de journal de bain, une mystérieuse salle. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une salle cachée derrière un mur. Ah, c'est là en fait. Ah bah oui. Ça doit être là. On peut faire un truc là. Ah, peut-être que je peux péter le mur. Ça dépend si c'est bien fixé. Mais... Ou alors ça. Non, c'est toi, t'es le dernier quand même, tu vas pas y toucher avec la tête de statue. On a eu une statue, je me souviens plus. Je crois pas. Non, je crois pas. Il y a un truc là aussi. Ah. Ah, ça le truc que t'as dans le... Ah ouais. Oula. Oh, ça a l'air bien pourri par contre. De la poudre à canon. Ah. J'avais dit c'est pas de la pourriture. C'est... Je vais tout péter. Allez, vous êtes attaché à votre bâtiment, mais si on fait exploser le bâtiment, il n'y a plus de bâtiment, on n'est plus attaché ici. C'est vrai, voilà. On sera un fantôme logique. Parmi eux. C'est ça, bon par contre c'est l'inconvénient par contre, mais bon. Et le mur, tu peux cliquer dessus pour te rapprocher ou pas? Ah non. Non. Attends. Construire à la hâte, comment puis-je le contourner? Ouais, t'as une hache à côté. Ouais, là. Je vais pas la prendre. C'est pour ça que je fais un petit effort, tu défonces. Ouais. Les allumettes. Tu veux faire cramer l'étoile? Ah, d'accord. Bah, si tu veux. Alors, ne faites pas ça chez vous, par contre. Hein. Ouais, c'est. Ça fait brûler ça aussi. Quoi, ça? Non, ça aurait dû faire brûler ça, ouais. Ah, c'est un sac. Ah, on va faire avec le canon. Le poudre à canon. Ah ouais, tu peux faire... Tu la joues okay. Discret, quoi. Nice. Ouais, écoute, pourquoi pas, hein. Il y aura la poussière. T'as intérêt à bien te protéger, parce que... Ouais. Là, ça... Ah, d'accord, ouais, ok. Putain. Ah oui. Ok. Je respecte, je respecte. Duc. Quelle est cette pièce secrète? Pourquoi elle est emmurée? Ça paraît étrange, je dirais. Ouais. Là, ça aurait été plus simple, simplement. Ça aurait été beaucoup plus simple. Le mur avait pas l'air épais, genre, ouais, ça se fait tout seul. Catacombe ouest. Ah, ah, c'est joyeux ça. Ah, encore. D'accord. Je cherche, je trouve. C'est ça, c'est ça, on y revient toujours. Oh. Trop bien. Ok. On est pas dans Tomb Raider là, on cherche pas les trésors. Ouais, avec ouais c'est ça, ouais. Exactement ça. Bien que ce soit très beau. Hein. La retraite de Gaspard. D'accord. Ok. La réforme des retraites de Gaspard. Attention, hein. Sujet touchy en ce moment. C'est clair, ouais. Alors, putain, c'est quoi ce bordel? Si tu pars du milieu sur la gauche, t'as une rose. Métamorphe. D'ailleurs, un métamorphe que je vais pas aussi. Quoi? Ce truc je refais un peu la déco. C'est ça, ouais. Ah, y'a d'autres tunnels là-bas. Hein. J'aime attirer pas. Attiré par l'argent. Un rubis. Dans ma poche. Catacombe sud. Ah, y'a un. Ok. Ouais, mais on est dans Myst là, non? Ah, ok. Ça c'est quoi? Cette vieille cire. Personne n'a envie d'aller récupérer la vieille cire de quelqu'un. Franchement. Voyons. Des... Alors, il n'y a pas un truc qui change, mais j'ai pas l'impression. Ça aussi, j'ai juste pas vu. De toute façon, il en reste deux. Donc, oui, c'est vrai qu'ils peuvent pas non plus. Peut-être pas tout de suite, on était trop gourmands là. Bon, bah, catacombe sud.
Allez, on visite. Hein. Ah, d'accord. C'est très très sympa. Faut faire la déco un peu, mais... Ah, plus que 5. Il y a un bon potentiel. Oh, y a une statue sans tête au fond, tiens. Ah. Oh, il joue. Il y a un morceau. Hein. Ah, la statue. Ah. Pour une fois, il y en a qu'un. Ah, il y a du... Ah non, c'est du fromage. Non, c'est du pain. Et du fromage. Et du fromage. T'as la souris, à mon avis, avec un bout de fromage comme ça, elle aurait traversé la pièce. Hein, mais... C'est clair. Oh. Ok, merci. Ça, je te donne ça. Pourquoi tu gardais ça? Ok. Oh là là. 3 disques. Ah, c'est ça. Mais non. Ah, non, non. Toujours pas. Ah. J'ai pris un truc là, non? Ok, on commence à voir des choses. C'est clair. Y'a pas de fantôme là, c'est pour moi. Ok. Y'a des os partout. C'est un peu glauque en fait. Je crois que l'anneau que t'as récupéré doit être sur le truc du milieu. Ça. Pour une fois qu'il ne manque qu'un seul. Alors, est-ce que c'est lié entre eux? c'est sûr, c'est trop facile sinon. Ah, ils disent pas. C'est sûr, je prends les paris. Hein. Ah oui. Il y en a un qui tourne seul. Ah, celui-là il tourne pas. Ok, que ça, ça et ça. Cool. Ouais, ça. Ouais, c'est pas comme ça bouge. J'allais dire, c'est facile. Ne pas varier trop vite. C'est quoi ça en fait? Je sais pas, c'est un genre de chien loup bizarre. Ah oui. Oh Alors, oui, mais pas tout à fait. Pas tout, ouais, ouais. Faut le mettre là. Il est un peu de travers ça, déjà. Comment elle est celle du milieu? Ah, ça faut que ça soit là. Ouais, je pense. C'est le bout des ailes. En fait, il faut. En fait, il faut péter un câble. Non, il faut aller. Il faut aller un petit peu plus loin avec celle-là, puis tu ramènes avec l'autre. Ouais, ça va être comme ça. C'est... Ouais, t'es peut-être pas mal là, non? Ah, c'était comme ça. Ah non, un peu trop. Ah non, je suis trop loin. Merde. Ouais, allez, salut. Ça, oui, c'est une mauvaise idée de jeu. Catacombe Est. Ça ressemble quand même beaucoup à Catacombe Ouest, mais bon. Oui. Bon, après, comme ça, ils sont restés sur un format. T'as la rose à gauche, si tu veux, au milieu. La musique est marrante, ouais. C'est pas du tout ambiance catacombe, mais en vrai, c'est un peu marrant. Encore des trucs qui manquent. Oh, toujours des trucs qui manquent. Ah, on a tout. Oui, ça. C'est bien ça. Truelle. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui change. Je crois pas. En même temps, je pense que... Les crânes, si loin... à chaque fois, je regarde les crânes. C'est ça qui ressort un peu. Dans la chanson, je pense que s'il en reste que deux, ils vont les mettre sur des vraiment des endroits un peu plus nobles ou un peu plus importants. Ouais. C'était là. Allez, un bon mini-jeu. Allez, s'il vous plaît. Je reconstitue l'image en permutant les disques de façon à connecter toutes les lignes. Faire glisser un disque pour le changer avec un autre. Oh putain. C'est-à-dire... Après, ils ne bougent pas sur eux-mêmes. Ah ouais, non, non. Ok, bon, c'est faut juste trouver comment c'est comme ça en fait. Pourquoi ils sont rouges, c'est chiant? Parce qu'ils sont mauvais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais te dire. Parce qu'il y en a plusieurs comme ça. Bah, par exemple, je pense que si tu pars. Ah, c'est par exemple, si tu pars au milieu et que tu prends celui qui est un tout petit peu au-dessus à gauche,
Je pense qu'il va deux lignes en diagonale gauche. Bas. Là. Ah oui. Ah ok. Bon, celui-là il va là. Ouais. Là. Ça donne un peu l'idée des formes. Celui-là. Et celui-là. Là. Et tout en haut à droite, t'as celui qui va tout en bas au milieu. Ça. Donc ça. Tout en haut. Ah, ça c'est ça, mieux c'est, ça. Ça c'est mieux ça. Ça ça va. Tout ne dépend pas des uns des autres, c'est ok. Ça ça doit être là. Oh. Ouais. Ok. Ça c'est un bon mini-jeu. Quoi? Ah ouais, je savais ça vraiment. Ok. Ah. Ah le dernier, nice. En fait, c'est 4 écrans avec des mini-jeux partout. Tu veux aller voir grand-père? Alors, mini-jeu. C'est ça. J'aime bien. Tu veux voir ton grand-oncle? Mini-jeu. Y'a plus rien là? J'ai pas l'impression. Je crois pas. Hein. Bon, on reviendra au pire, hein, c'est pas très loin. Alors, ça, les flèches. Ça doit être ça, non? Ah, si c'est. Ouais, ça doit être ah, ça. Ah, oui, ouais. J'allais dire, je vois pas où ça peut être, mais en fait, si. Ah! Ah bah, oh là là. Oh, c'est joli. Ça tourne. Regardez ces trois cercles! Oui, on avait vu. Je vais déplacer les gemmes jusqu'à ce qu'elles forment un triangle sur le cercle. Les gemmes deviennent roses une fois correctement placées et flèches font tourner les cercles. Ah oui, c'est genre. T'as ah, les ça. Flèches à l'extérieur, ça fait tourner trois cercles différents. Ah oui, puis le truc qui tourne, c'est la couleur où il faut les mettre. Genre les vertes là. Non, je pense qu'il faut que tu les mettes à. Enfin, a priori, elles deviennent roses quand elles sont au bon emplacement. Et je pense qu'il faut que tu remplisses tout le truc du milieu en fait. Ah là. Ouais. Et ça fera un truc bien très. Parce qu'il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ah ok. C'est beau. Ah presque. Ah un peu. Faut pas qu'il y ait d'espace en fait. Oui ça va, il y a avoir un peu de marge dans celle-ci. Pas mal là. Ah non, t'en as encore un décalage. Oh la vache, ça me retourne le cerveau. Je sais pas comment ça marche. Ouais. Si. Mais après, je pense que t'as le bon instinct pour l'instant. Ah, il y a toujours un. Encore un décalage. Ah. C'est insupportable. C'est normal, je me suis indiqué. Ah, putain. Ça va passer. C'est pas notre jour. C'est. Des fois, on a l'instinct, on y arrive du premier coup. Des fois. C'est fou ça quand même. Chaque fois, ça décale l'autre. Ouais, super, génial. Oh, ça a marché. Putain, c'est... Fais semblant, ils verront rien. Ok. Ah, en vrai, alors, l'idée était moins mauvaise que les trucs d'avant, mais... Oui, oui. Ça reste... un peu compliqué, ouais. Ah, retraite. This is Caspar's inner sanctum. He spent many sleepless nights here, composing music. To the curse must be in here. It's strange, but I feel another presence here. C'est vrai, il s'est amené juste seul, rien que pour lui, quoi. Bon, c'est à côté des catacombes, c'est un peu glauque, mais... Une présence de quelqu'un d'autre.
Ouais, je pense que s'il y a un métamorphe, il doit être ici. Ouais, ah, il trouve. Ah. À droite, il y a un tableau. Qui bouge. Voilà. Ok. Il écrivait ici ou il faisait de l'alchimie? c'est pas ça. Clair là. Fabriquer des bougies. Ah bon. Chacun son passe-temps, mais. Okay. C'est pour ça qu'il faut les récupérer. Ah, c'est pour ça qu'on va devoir récupérer la cire. Est-ce que tu peux la récupérer avec la raclette? Ah oui. Nice. Oh, le bruit par contre. Il y en avait, je sais plus où, mais il y en avait. Ah, la salle de l'orgue. C'est vrai qu'il avait un orgue. Il y a pas de la cire derrière nous aussi, je sais plus où. Oh, oh, c'est noble en vrai. T'as le mec, il a réussi à amener un orgue ici, quoi. C'est clair. Avec de la bonne tapisserie et tout. Dans les égouts. Ah, c'est propre, hein, pour un truc en sous-sol, pour l'humidité et tout, fais gaffe. Ah, ok. Pas un autre. C'est ce que je regardais aussi, mais j'ai pas l'impression. Je pense que la pièce est pas assez chargée pour pouvoir nous mettre un... Ah voilà les gemmes. Ok. Quand on a la moitié, c'est déjà pas mal. Scène ? Ah, ça on peut faire ça. Allez, la première de la journée. C'est un jeu d'objets cachés ou c'est pas un jeu d'objets cachés ? Quand même, voilà. C'est un jeu de mini-jeu impossible. C'est ça. Ah, t'as un casque en plein milieu en bas. T'as un champignon à gauche, t'es là où t'as trouvé le casque... À droite de trouver le casque, pardon. Et l'autre qui était à côté de la hauteur du casque, un champignon blanc. T'as un train, voilà, tu as trouvé. La gemme. Saphir. Bateau, pareil, l'autre trouvé le casque, il a tout mis là quoi. Rhinocéros à droite, sur la table. Il y a plein de bestioles là, oui. Ouais, il a tout plein. Il y en a plein. Pistolet à gauche, en haut. Ah, l'arc. Putain, c'est un musicien en fait, hein. C'est clair. T'as trouvé quoi, un bouchon? Ouais. Voilà. À droite sur la table, t'as aussi un château. Qui est un peu tout derrière. Ouais. Fuseau, oh. Fuseau horaire? Ça, oui, c'est ça. C'est vrai, j'en ai pas sûr. On a une gemme, ouais. Et 3 sur 4. Mmh. Ah. Mon élève Marcel possède un tel talent naturel. Je me sens comme un bijoutier qui taille un diamant. Et plutôt, il faut du génie pour en reconnaître un. Quoi ? Il était jaloux de son élève. Mmh. Ah. T'es jaloux de sa femme, jaloux de son élève. Il y a un travail à faire, hein. Faut aller voir aussi. Hein. Fantôme d'un violoncelliste est apparu aussitôt que je suis entré dans les catacombes. Il a parlé de la retraite secrète de Gaspard. Dans la retraite cachée, j'ai rencontré le fantôme du flûtiste. Il m'expliquait que c'était là que Gaspard avait passé de nombreuses nuits sur son travail, mais il a dit qu'il sentait la présence de quelqu'un d'autre. Ah, c'est Marcel. Ah, c'est sûr. C'est un message d'un jeune homme. Marcel, c'est un jeune élève de Gaspard, plein de talent. Gaspard était fasciné par le talent naturel de Marcel. Je me demande si ça n'a pas causé une certaine jalousie. On commence à voir un certain pattern. C'est un... Hein, c'est... Ouais, c'est... Il est jaloux tout le monde, lui. Je ne peux pas... Quoi ? Puer ? Ah, jouer ! Ah, putain ! Jouer. C'est vrai que le haut est un peu... On dirait un P, ouais. Partition. Je vais chercher la cire, là. Ouais, même si à mon avis, ça suffira pas, il en faudra peut-être encore une autre, mais... T'as une meilleure mémoire que moi. Ok. Ça bouge pas, ça, en fait. On pourra pas. Je crois pas. Apparemment pas. À mon avis, on a pas ce qu'il faut. À mon avis, il faudrait au moins un troisième type de scie. C'est là. Ouais. Fuck. Je m'irai sur de la scie rouge la dernière, du coup. Possible. Le hasard, je dis ça comme ça. Tu peux pas récupérer le tablier d'ailleurs ? Oh. Ah,
pas le tapis. Un ciseau. Là, il y a quoi? Ah. Ah, une partition. Oh, tu as taillé la pierre. C'est joli, ça. Bon, là, ça sent pas à grand chose, mais oui. Ouais, faut un marteau. Il y a du potentiel. Mais t'as déjà un ciseau que tu peux mettre. Ah oui. Sur les outils de gauche. Ok. Dommage, pas de marteau, mais... Mais il fait de la sculpture, là, des bougies, des... il fait tout. Non, en fait, il fait de l'or, après c'était temps, il fait des bougies, de la sculpture, ouais. Mais il est polyvalent quand même. Hein. Ah, c'est peut-être Marcel. Bah après, c'est... La... Ouais, peut-être. En vrai, on a rien trouvé sur la pièce de droite, dans les catacombes. J'aurais tendance à dire qu'on va peut-être passer à côté de la bougie à droite, mais... Ah, peut-être. Enfin, je prends le pari que ce serait là-bas, après... Y'a rien qui est rouge quoi. Y'a du enfin, rouge. Hormis les tonneaux, ils sont pas explosifs, je suppose. Vous avez la rêve, évidemment. Pas de rouge. Y'a pas de rouge. Ah, on a tout sûr. Alors, heureusement, je mets un tonneau et c'est cool après. Après, un endroit aussi noble. Ah. Je vais mettre les notes à la bonne hauteur, découvrir l'air correct. Je vais appuyer sur la clé de sol pour vérifier. Notre clignotera en vert descend à la bonne hauteur. Ok. Ah. Rouge, rouge. Nice. Oh. Parce que j'ai de l'instinct. Donc là on a là, là on a là. Ouais. Donc là, là. Bah, tu peux bouger même les trois dernières, hein, tu sais qu'elles seront pas ici. Ouais. Ça t'évite de faire. Bon, tu peux les mettre où tu veux en soi. En haut, peut-être. En haut, là. Et là. Ça se trouve, c'est toi, Marc. Ça se trouve, c'est tout bon. Oh. Oh, fuck deux. Pas loin, pas loin. Tu es presque Marcel. Donc celle-là, elle est pas mal. Ouais, non, tu peux. Ok. T'as quand même un bon instant. Ici. Nice. Waouh. Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe? Ah. Ah, c'était pour enlever ça, ok. C'est un drôle d'orgue. C'est étrange en effet. Fleur de métal. La porte. Ouais. Ah, pas de mini-jeu, nice. Chambre du compositeur. Une chambre, un mec ça. Qui est luxueux quand même. Déjà, c'est il est clair. Matin, ouais. Mais... Ah. On voit les bougies avec les rideaux et tout, c'est un peu risqué. Hein. Mais bon, après. On dirait que ce garçon a signé un pacte avec le diable en personne. Ses progrès sont époustouflants. Son travail pourrait bien rivaliser avec le mien un jour. Oh non, il l'a tué. Ah, j'ai trouvé le métavore en tout cas. Ah. Et l'œuf là. Le dernier. Le dernier. Ah, je te le laisse avec c'est le dernier. Ouais, ah, il s'en a tout. Oui. Et juste au-dessus de la fleur. Et par contre, je sais pas si c'est la dernière. Ah non, encore une. Ah, encore une. À moins qu'on lui manquait. On laissera un peu mystère. Mais non, à mon avis, il sera dans la dernière pièce qu'on ouvrira avec les rubis. Ah oui, possible. Putain. J'ai l'impression qu'on pourrait manquer des fleurs. Quoi ça? Quelque chose d'important derrière ça. Il a pas envie qu'on dirait. Eh, au pire, ah, bah c'est rouge. On retourne chercher de l'explosif. Hein. C'est clair. Ça a bien marché sur l'autre mur. Hein. On aime bien péter des trucs. Faut faire quoi là hein? Ah, faut mettre. Ah, tu vas devoir fabriquer des nouvelles bougies. Okay. Le coffre, y'a rien. Sel. Allez. Ah. La chouette est à gauche. Elle a une bonne tête. Théière. Léché qui en plein milieu, en bas. Toupie juste au-dessus. Ah, le glaive. Pareil, au milieu au-dessus. Sur le milieu, tu pars du milieu, tu montes. Ah, oh, t'es passé dessus, il est dans l'ombre. Enfin, un glaive, ah, c'est une grosse épée. Ah oui, là. C'est une épée, quoi, mais... Ah, oh, des clés. Je le mets où? Je sais pas, il faut une clé plate ou une carte à combat. Pardon. Ah,
tes souhaits. Merci. T'as la pipe à côté de là où t'as trouvé la hibou. Il faut un comp. Ouais, bah t'es passé dessus. Les mèches au milieu, si tu veux. Je pense que c'est des mèches de. Ah oui. Bougie. Temps pour encreur, je pense que c'est ça. Ah là, tu vois la statuette à gauche. Ouais, mais juste devant, je pense que c'est ce qu'on pourrait appeler un temps pour encreur. Statuette de chat. En tout cas, il faut ranger son bureau, monsieur. C'est clair. Même le mien, il est pas autant en bordel. C'est faux. C'est vrai. Ça dépend des fois. On a des mèches, on va faire péter ça. Non, enfin des bougies. Ah oui. Alors, bougies. C'est un peu moins dangereux. Un peu moins fun aussi. Ok. Attends, il en fallait une verte, je crois. Et où je vais. Bougie verte et violette. Ok. Verte. Ouais, ça va la théorie des couleurs, ça va pas être trop dur. Hein. Jaune et bleu. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut que tu mettes la mèche d'abord dans le truc au milieu. Non, au milieu, le truc que t'as refermé. Qui ressemble à un truc en cuir. Ça? Ouais. Et dedans? Oui. Et là, tu vas faire couler. Nice. Ah, c'est beau. Elle est belle, hein. Bravo, bien joué. Et violet. Ah, ça et ça. Ouais, ça va, il triche. Hein. Si même plus le jaune, il aurait pu le laisser. Hein. Tac. Nice. Magnifique. Elles sont belles, hein. Il y a un bel atelier à bouger. On se demande pourquoi. Ouais. Peut-être que juste il aimait bien ça. Oh. Que le bureau qui détecte la couleur de la bougie, c'est quand même très fort. Incroyable. Et ça, c'est. Ah, c'est les. Ouais, ok. Ok, donc on peut ouvrir la porte. Bon, ça va, on a pas trop. On avance, quoi. Peut-être finir. On va voir. C'est quand même une serrure qui est très chère. Hein. 4 pierres précieuses. Laboratoire. Il y a tout ici. Ouais. Ah, la dernière rose. C'est plus bibliothèque. Nice. Attends, on a tout. Allez, toutes les roses, toutes les métamorphes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore? Je sais pas, mais c'est un bordel. Qu'est-ce qu'il faisait? Enfin, encore fermer le démélange et tout là. Les ingrédients qui manquent. Hein. Ah, le marteau. Ce garçon croit-il pouvoir me surpasser? Malgré tout, le ballet qu'il a écrit est un chef-d'œuvre. Quel dommage s'il venait à disparaître. Il lui a piqué. Oh là là. Le salaud. Le mec, il lui enseigne et après il est jaloux. Marcel. C'est le Marcel qui les retient. Marcel's talent, so he stole the ballet and killed him. Marcel's restless spirit is the disturbance we felt. Okay. You must return the original sheet music to Marcel. Only then will we find peace. Okay. On pourrait pas juste convaincre Gaspard d'aller se suicider. Je sais pas, c'est comme ça après, mais. Ah. Il manque quelques livres. En effet. Look. T'en aurais eu 3 scènes. Allô. Oh non. Ah, les ombres. Allez, on va vite y aller là, histoire de bien finir. Si elle finit en scène, c'est ok, hein. Ça rattrape, mais. C'est clair, ouais. Sinon. Ah. Ok. Bon. Oh, Beck Benzen. Ah, je crois que c'est le petit truc de.
Ça, c'est bon, ça. Qui ressemble à un... Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Flacon conique. Flacon conique. Y'a pas un autre nom pour ça? C'est quoi? C'est un... Je sais plus, ça fait trop longtemps. Ah merde, comment ça s'appelle? Je sais plus. T'as un microscope en haut à droite. Un chapeau de magicien. Putain, mais y'a tout ici. C'est incroyable. T'as un attrape... Ouais, l'attrape-rêve, il fait un peu plus... Il fait plus peur, mais... J'ai peur. C'est tout ce que donne des... Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est des cauchemars. En bas à gauche, t'as le piège à souris. Attends, tampon. Ah, un tampon. Putain. C'est un piège. C'est pas un tampon quand même. Juste en dessous de ce que t'as trouvé, je pense. À droite. Un truc qui ressemble à un truc en bois avec un bout de métal. Juste en dessous. Ouais. Ah. Matériel à coudre. Il faisait la couture aussi. Il fait tout, il va. Là, t'as des aiguilles en bas à droite. Et ça, et du coup, c'est pas complet, il lui a manqué quelque chose. Ah, le dé. Oui. Le truc à mettre sur le pouce. Ma grand-mère, elle avait ça quand j'étais petit. Ça faisait très, très rigolo d'avoir ça sur le pouce. Mais genre... À côté de la. De la machine à. à coudre. Ah, on a les deux livres, nice. Ça va nous donner parfait. Le code. Disposer ces livres correctement, je suis sûr que les images sur les tranches donnent la solution. Ah oui. Non, moi je pense pas, sachant. Vous savez, moi je pense pas. Non, ça va être une coïncidence. Est-ce que le pont est avant ou est-ce que c'est le petit pont? Ah voilà. De A. Ah oh, il l'a noté. Trop bien. Poudre jaune. Ok, ah la et poudre, c'est la poudre là, non? Je pense qu'il nous montrera une poudre bleue du coup de l'autre côté aussi. Ah ouais. Le code c'était où? ah là c'était le coffre non? C'était un coffre ouais. Alors lequel? Lui. Alors. Quoi? Ah. Deux notes, cœur, papillon. Et sept étoiles. Étoiles. Ah, oh, c'est ça? Ouais, il nous donne tout là, c'est gentil. Hein. Partition, poudre bleue. D'ailleurs, je la fin. Ah, le marteau, c'est ça, non? Non, c'était pour la sculpture. Mais qui était pas loin. Je sais pas ce que tu vas sculpter derrière, mais. Oh là là. Allez, exprime ton talent. Allez. Oh, c'est la prometteur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un lion? Si c'était si simple, franchement, ouais. Ouais. T'en auras tout fait. Sculpture, bougie... Ah ouais, artiste. Poudre. Statuette de lion. Super. Très bien faite, d'ailleurs. On a la partition, c'est bon, là. Là, tu vas pouvoir la jouer. Ah ouais, d'ailleurs. Ouais. Il va être content. Je sais pas s'il va être content, mais... J'espère. Ça. Ah si là. Ah tu veux si tu peux là. Tu vas les colorer. Ah nice. La recette. Ah non je crois que c'était un bout de fromage MDR. Bleu x4. Ah, merci. X 2 ouais. Jaune. Et rouge, c'est où rouge c'est ça? Oui ça. Ouais ça va être ça je pense. Prends ça. Quoi? Je dois trouver les ingrédients qui manquent. Ah d'accord. Ouais, il est là, genre, faut le prendre, le mettre là et le remettre là. C'est bon, tu as le bon ingrédient. Il était là depuis le début. C'est une potion quoi ça? Ah oui pour... Je sais pas mais... Deux... Ça va être long. Trois... Quatre... Ça fait quoi si j'en mets trois? À mon avis, il t'empêche de le faire. Tu gâches tout, il faut tout recommencer. Ça. Et ça c'est pas très passionnant comme énigme alors que si t'avais fait un truc tu sais comme d'hab avec les bocaux tu sais en mode genre t'as un bocal de 3, ouais. Un bocal de 5 et tu dois... Et ça c'est plus drôle. Ah mélange corrosif pour le truc. Ah. Bon, j'aime bien parce qu'on veut essayer de passer ce mur là mais on sait pas ce qu'il y a quoi. C'est ça. On veut y aller, on sent qu'il faut y aller. D'accord. Faut pas te mettre sur les doigts hein. Ah
Ah, Marcel. Ah, mais il l'a emmuré, quoi. Oh, le pauvre. Il a payé de sa vie sa chère musique. Je vais lui rendre ce qui lui a été volé. Tiens, ta partition. Je suis content. Thank you for liberating me. For many years I have been trapped behind this cold wall, but now I'm free. I release every sword that Gaspar threw with his arrogance and greed. Cool. Merci. Ben voilà. Oh, les poses dramatiques. C'est clair. Ok. Wow. Quelle fin. Wow. Quelle fin. Puissant. Voilà. Le chapitre de vie, c'était sympa. Le chapitre de vie, c'était sympa. Un poil court. Ouais, un peu. Des décors plutôt jolis, mais... Oh, l'histoire, j'ai pas moyen, je trouve juste un genre. Ouais. On est coincé! Et en fait, le truc, c'est juste. En fait, bon, bah, il a juste usurpé son truc. Ouais. Point. On le retrouve, c'est fini, genre, y'a plus de jalousie, plus rien. Mm. Dommage. Mm. Ok. Bon, ça conclut bien le jeu. C'est quasi. Oui, au moins, c'est pas trop long. Mm. Pour ce que c'est. Ah, voilà. Et bah. Quelle aventure! C'est clair. Voilà, ouais, écoutez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu, bien sûr. Évidemment, évidemment. C'était sympa, et la semaine prochaine, un nouveau jeu. Alors, j'ai pas du tout, je pensais pas qu'on finirait aujourd'hui, donc j'ai pas du tout. Oui, ce que j'allais dire, t'as choisi le suivant, mais c'est vrai qu'on n'avait pas commencé de finir déjà. J'ai pas du tout regardé, donc ça sera la surprise. Bah écoutez, faites vos guesses, et puis ben, ouais, vous verrez si la semaine prochaine, c'est ça. Ah, si, en fait, je vais essayer, ouais, si. Je vais essayer de chercher un jeu qui soit bien creepy, tu vois. Parce que celui-là, on pensait qu'il le serait, mais en fait. C'est vrai que le niveau macabre, il y a des fantômes, mais c'était pas macabre. Il y a des fantômes, moi, c'est tout. C'était doré, c'était beau. Ils auraient pu l'appeler... Danse belle. Non, je sais pas, genre le cabaret hanté, ou... Ouais, ouais. Ou, tu vois, genre... Ou un truc un peu comme... Attends, merde, la ça s'appelle déjà. J'ai les trois chevaliers de Monsieur Jack qui est dans la tête, mais c'est pas celui-ci, l'autre. Où il y a, genre, où il y a un mariage. Les noces funèbres, un truc comme ça. Ah oui, ouais. Je crois que c'est un truc comme ça qui sonne un peu fantôme et, et noble, parce que c'est un peu ce qu'on fait, un truc un peu bourgeois, tu vois. Ça serait mieux passé, je trouve, que juste. Bon, bref. Apparemment, il y avait des clés en or dans les scènes du contenu bonus. D'accord. On n'a pas vu. Franchement. On a bien fait tout le reste. Hein. Ça, c'est là. On a trouvé tous les métamorphes et tous les trucs là, franchement. Franchement, on a fait le plus dur. Hein. C'est clair. Non, voilà. Bah, je vais essayer de trouver un bon jeu qui fait flipper. Ouais. Enfin, écoute. Hâte de voir ça. Parce que le doré, ça suffit là. Ouais, c'était un peu trop chaud. C'était un peu trop lumineux, un peu trop joli. Même les égouts, ils étaient jolis. Mais oui. Comme ça, c'était tout propre. Ouais. On veut de la peste, on veut un truc comme ça. La peste. Je sais pas ce que tu veux. Des cadavres qui fument, qui voilà. Pourrissent avec des petits verres. Enfin, c'est bien dégueulasse quoi. Avec des maisons hantées et tout ça. Ça se trouve, tu vas revenir la semaine prochaine avec genre le hip-hop au pays des Ipsos. C'est pas. Enfin voilà, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser les likes et commentaires partagés. On se retrouve avec Xplainz la semaine prochaine sur un autre jeu. Évidemment. Merci à tous, à la semaine prochaine et ciao ciao. Salut.